Bonjour à vous, je suis Denfield et aujourd'hui on va découvrir The Kindred, qui est un jeu de survie, gestion et stratégie dans lequel on va gérer un groupe de survivants qui va devoir faire un village autosuffisant. Donc on va devoir produire notre nourriture, élever des animaux, extraire nos minerais et également produire de l'énergie avec par exemple des éoliennes pour pouvoir faire fonctionner nos machines. C'est un jeu qui est assez complet, il est toujours en early access, il va sortir le 24 février, et donc là je n'ai pas encore le prix à vous donner. Dès que j'ai l'information, je la mettrai dans la description, car le jeu n'est pas encore sorti au moment où je fais ma vidéo. Alors regardons un petit peu l'interface. Donc là j'ai mis pause, on regarde, en haut à gauche on a des informations par rapport à notre stockage de nourriture. La nourriture est comptée en valeur nutritionnelle, donc on va pas vous dire vous avez 5 carottes, enfin, on va vous le dire, mais dans le menu là on va vous dire la totalité de la valeur de la nourriture. Donc une carotte va valoir 15 de valeur nutritionnelle, une patate va valoir 20, je sais pas, je vous dis au hasard, et donc au total on a ça. On a besoin de 600 par jour, car on a 6 kins, donc 6 personnages, donc on a toujours 6 au début. Les kins sont donc nos travailleurs, ceux qui vont faire un petit peu les tâches qu'on va demander, et chacun a besoin de 100 par jour. On a ici le stockage d'énergie par rapport au drain d'énergie, donc pour le moment on ne produit rien, on ne draine rien, et là on a la production d'énergie par rapport à l'utilisation journalière, ou actuellement, donc, même chose, on ne produit rien. Alors, on est parti. Donc, j'ai déjà présenté d'autres jeux du style, mais celui-ci est vraiment suffisamment différent pour valoir le coup. Il y a, on va dire, plus de mécaniques de jeu dans certains thèmes. Donc, par exemple, la production d'énergie qui va ressembler assez à ce qu'on peut faire sur Planet Base. Donc, comme c'est du coup assez différent, on va voir un petit peu ce que ça donne en plusieurs épisodes. Je vais faire un petit let's play parce que le jeu promet quand même. Il est en version 0.3 et les poussières, mais il est déjà suffisamment stable pour qu'on voie tout ensemble. Alors, je mets play. Là, vous avez une minimap qui se met à jour en temps réel, donc ça c'est cool. On a les différents menus qui vont nous permettre de contrôler nos personnages. Là, on peut miner, là on peut labourer le sol pour pouvoir planter des choses. Et là, on va pouvoir poser les items que nous avons déjà en notre possession. On ne peut pas créer des choses depuis ce menu-là. Il faudra sélectionner par exemple un atelier qui va travailler sur le fer, ce genre de choses. Alors, on est parti. Là, on va avoir besoin de bois. Ben, ça tombe bien, on a un grand arbre à côté, on va le couper. Donc on peut faire deux choses avec les arbres. On peut soit les couper, soit les récolter. Pour le moment, lui, je vais le couper parce qu'on va avoir besoin d'un petit peu de place et on va commencer par s'occuper de faire des champs. Donc les champs, on va les planter là, juste ici. On a quoi là? Ah, ça, oui, ça, il faudra les récolter. Hop, ça va nous faire de quoi manger. Ah, là, c'est pas encore mature. Elle est pas encore mature, vous voyez. Elle est pas encore en train de bouser, d'accord, je comprends. Alors maintenant, on y va, on fait nos petits champs. On va en faire deux. Hop. Et alors une chose dans ce jeu, c'est qu'il n'y a pas de job vraiment. Vous avez donc un petit stockage avec des outils dedans, deux marteaux, deux pioches, un outil pour ramasser des fruits, etc. Et vous allez donc tout simplement avoir besoin d'un outil pour pouvoir faire une tâche. Si je dis de couper un arbre, il me faut une hache. Si j'ai trois haches, trois de mes personnages vont pouvoir aider à couper l'arbre. Vous voyez là, ils ont fait tomber l'arbre, ils sont en train de le récolter bloc par bloc, donc c'est cool. Elles ont chacune une petite hache en main. Si jamais je veux plus de gens sur cette tâche, il me faudrait plus d'outils. Voilà. Donc par contre, du coup, quand elles ont fini ça, elles peuvent très bien aller choper un marteau et aller me construire quelque chose. Elles ne sont absolument pas bloquées. Et lui, par contre, est bloqué. Alors je... ou non, peut-être qu'elle peut passer par là. On va voir après. Pour le moment, peut-être qu'il a juste pas de tâche. Et donc là, ils ont fini de s'occuper du champ. Donc on va regarder dans notre stockage. On a des graines de carottes. On va poser les graines de carottes. Hop. On a des graines de salade pour de la salade. On les pose. Et on a des graines de patates. Bah tiens, cette fois-ci, je n'ai rien qui va pouvoir aller dans... qui va pouvoir faire des arbres fruitiers. Donc ça, c'est... En général, j'en ai toujours un petit peu, mais là, j'en ai pas eu. Donc là, je les arrange pas particulièrement, car je vais tout récolter, et je vais devoir replanter après, vous voyez. Ah bah tiens, il est parti, il est plus coincé. Ok, et là, on a quoi? On a du chromite or. Ok, je sais pas à quoi ça sert pour le moment. Donc on est bon, est-ce que là, ça a poussé? Non, pas encore, 79%. Ok. Donc maintenant, on va devoir donner l'ordre de ramasser du fer. Là, il y a quoi? Du charbon. Ah bah tiens, il y a du cuivre juste à côté. Je pense que c'est génial. Alors, le minerai peut être en sous-sol, hein, mais il vaut toujours mieux que ça soit à côté. Alors hop, venez là, et je voudrais que vous en ramassiez un petit peu là également. Alors le plus important reste le fer. Là, c'est du charbon. Ah oui, il y a des fruits sur ces arbres. On va aller les récolter. Le fer était où? Charbon.
Le fer est ici. Ok, donc ils vont venir là. Donc même chose, actuellement je n'ai... Hop. Actuellement je n'ai que deux pioches, donc seulement deux personnages, vous voyez, vont pouvoir aller miner. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, on va en faire plus éventuellement. Donc là, les plantes sont plantées. Et on va commencer à prévoir un endroit là où mes gars vont pouvoir dormir. Donc on va cliquer là, dans Housing, donc les maisons. On vient ici, et on a un petit peu... Hop. De choses, donc je vais pas pouvoir faire grand, je suis plus grand. Ok, j'ai pas suffisamment de ressources pour faire plus grand. Peut-être il m'en reste une ou deux. Non, il m'en reste même pas une, donc toi, on va t'annuler. Hop, voilà. Donc ils vont venir poser là, et on va mettre nos ateliers. Et à partir de là, tout ce qu'on va devoir utiliser va devoir être produit par nous-mêmes. Donc c'est vraiment cool qu'on ait autant de ressources autour. On a quoi d'autre? De la roche, de la limestone, des gouzons, de la terre, du fer. C'est quoi le... Du sable. Voilà, j'ai vraiment une grande sélection de minerais. Du nickel. La dernière fois j'avais du bétonium, je pense pour faire du béton, du quartz, il y a vraiment plein de choses. J'ai du tellurium également, j'en ai vu, du tellure en français, pardon. Je connais pas tous les noms en français, mais certains je les connais quand même. Ok, alors du coup, bah vous avez presque fini, et donc je vais pouvoir poser mes ateliers. Alors on va faire un atelier pour qu'on a en stock, hein, ceux qu'on a déjà. Donc un pour cuisiner, et on a deux machines, donc la machine là va permettre de craft différents items et l'autre va nous permettre de faire fondre le minerai. Ok, alors pour la cuisson, donc c'est tout bête. Si jamais vous avez deux ou trois ingrédients, bon, deux ingrédients qui valent 50 de valeur nutritionnelle chacune, en les combinant, si jamais vous avez une recette qui correspond, vous pouvez obtenir quelque chose qui a une valeur nutritionnelle de 150, 200, 300 en fonction. Ah, là on peut, c'est quoi? C'est du coton, on peut récolter le coton. Là, il est bon, on va récolter les navets. Donc on va obtenir des nouvelles graines. Un petit peu de coton. C'est quoi ça? Ah, du maïs, ok, on va récolter. Alors, vous voyez, là, il y a un mouton. Je peux le chasser pour la nourriture. Ou alors, le tondre. Si je le tonds, par contre, je vais pouvoir récupérer à nouveau donc de la laine plus tard. Mais si jamais je le chasse et que je n'ai plus de mouton sur la map, eh bien, j'ai plus de mouton. Il ne va pas en avoir un autre qui va réapparaître. Donc, il faut faire gaffe. Il faut ménager un petit peu les ressources que vous avez autour. Alors, là, c'est fait. Du coup, on va maintenant leur mettre un endroit là où ils vont pouvoir dormir. Alors, il me faudrait encore un peu plus... on va faire du timber et tu vas nous faire celui-ci. On peut en craft un petit peu, donc fais-nous-en parce que j'en ai besoin pour pouvoir faire une autre maison. Là, on va pouvoir... Enfin, une autre maison, un autre plancher, là, on va mettre les lits. Donc, je n'ai pas besoin vraiment du plancher, mais voilà. C'est toujours plus propre. Je peux poser les blocs bruts sinon, mais bon. On a des planches, ouais, ils sont en train d'être faits. Ok, est-ce que j'ai du fer à faire fondre? Ouais, j'ai du fer à faire fondre. Donc même chose. Donc par contre, toi, j'aurais bien aimé te mettre plus proche finalement des ateliers. Alors je vais mettre un stockage. Dans l'atelier, on va faire un stockage. Ok. Hop. Ah mais ça utilise 10 de bois. Bon allez, tu vas me le craft. Et on va envoyer des gars chercher un peu plus de bois. Alors, oh, mais tiens, vous allez même chercher un petit peu. Hop. De fruits, vu que de toute façon on n'a qu'un outil qui peut le faire, et je veux deux gars qui ont coupé ce grand arbre et qu'il a bien poussé. Ok, donc là je suis toujours en train de récolter, ils ont toujours pas récolté là, je sais pas pourquoi, est-ce qu'ils priorisent? Tiens, on va annuler lui et lui. Le fer, il priorise, ok, il priorise le fer, bon c'est pas plus mal, on a besoin de cuivre mais pas tout de suite. Eux vont couper. Il est où mon campagne? Il est là. À chaque fois j'ai du mal à retrouver. Et donc là on en est à 60%. Bah tiens, normalement j'ai des nouvelles graines vu que j'ai récolté. Ouais, on a du maïs. On va le mettre là. On a un petit peu de navet.
et un petit peu de coton. Voilà. Il est presque prêt à être récolté. Normalement, alors on va regarder la queue. Ouais, il me reste encore du bois à faire. On va accélérer un petit peu les choses. Vous voyez, on a gagné un petit peu de nourriture, sûrement avec ce qu'on a récolté un petit peu autour. Ah, lui est prêt à être récolté, les autres ne le sont pas encore. Donc je vais attendre que tout soit prêt pour que... Enfin, ce groupe-là soit prêt. Ils sont presque finis, comme ça on les récolte en même temps. Alors oui, là il va faire assez sombre, je suis désolé, je peux pas y faire grand-chose. Le jeu a des nuits vraiment vraiment sombres, et le problème c'est que la seule source d'illumination qu'on va avoir va être la fonderie. La fournaise, la fonderie, je sais pas. Parce qu'on peut pas faire de feu. Alors, c'est bizarre, on peut faire des poteaux pour éclairer, vous voyez, mais on peut pas faire de feu ou de torche. Alors je sais pas trop pourquoi, je suppose que ça va être amélioré éventuellement, ils vont régler le problème là. Mais bon, en attendant, c'est comme ça. Alors, tiens, on va faire plus de métal, on en a pas mal en stock. Donc j'accélère pendant la nuit pour qu'on en sorte rapidement. Et là, ok, donc là, mes petites choses sont prêtes à être récoltées, donc on les récolte, là ils en sont, 100% également. Voilà, on les récolte. Les carottes ont encore un petit peu de chemin. Vous voyez, éventuellement, on va pouvoir faire un endroit où on va pouvoir... Ah oui, ok, je peux les faire, les crafter. On peut faire un endroit où on va pouvoir élever les poulets. Donc ça me coûterait combien? Pas énormément de bois, apparemment. 12 de bois. C'est tout. On va faire un, on va voir. Et on va pouvoir voir si on peut amener les poulets là-bas. J'ai jamais élevé encore d'animaux. Hein. Dans toutes mes parties... Ouh, un petit frise. Dans toutes mes parties, je n'ai jamais encore eu la possibilité d'arriver au moment où je les élève. Alors, on va récolter les deux là. On a ramené du bois. On a combien de bois en stock maintenant? Ah, la journée arrive. Ouais, on en a pas mal. On a différents types de bois, mais on en a en stock. Ah, on a déjà des barricades. C'est cool. Ça va nous permettre de mettre les poulets et de les enfermer dedans. Bon. Dans pas longtemps, on va également commencer la production d'énergie. Ok, ils vont faire maintenant la boîte qu'on va rapprocher. On va la mettre ici parce que c'est un petit peu loin. Ah oui, j'ai oublié. Oula. Pour dormir, il faut qu'ils dorment. du coup, non, pas celui-là. J'en ai pas beaucoup de lui. Timber, ok, celui-là. Ok, hop, on va le mettre là. Ah, ils sont en train de poser et je vais devoir donner l'ordre de faire des lits. Je regardais un petit peu la liste des choses. Alors les lits, on va avoir besoin de 3 lits. 1, 2, 3. Est-ce qu'ils ont fini de faire le stockage? Ouais, le stockage est fait. On va le poser à côté. Juste là. Je ne peux pas là, je vais le mettre là. Et comme ça, ils ont pu aller jusque là-bas. Et là, regardons normalement les carottes. Les carottes sont prêtes. Ouais, les carottes sont prêtes. Voilà, bah, tiens, ça c'est déjà prêt à nouveau. Pas prêt. Bah tiens, on va faire ça. Ça va récolter ceux qui sont prêts à être récoltés. Donc, voilà. Et donc là, normalement, on a des nouvelles... Ouais, on a pas mal de graines de patates. Voilà, on a quelques graines pour... Voilà, et ça. Donc, bah, la pose de graines est un petit peu buggée, j'ai trouvé. Ça pose les graines bizarrement, ça ne les... C'est juste bizarre, mais bon. Ok. C'est moi ou j'arrête pas de récupérer des nouvelles graines là. Carottes, on va les mettre là. Maïs.
Ah, alors là, ça va être un petit peu différent. Bon, on va le mettre ici, ça va être des pommiers, mais vous allez voir, ils vont pousser. Ça va être un petit peu marrant parce qu'ils vont être collés l'un à l'autre, mais ça a très bien fonctionné. Alors, par contre, toi, j'aimerais, voilà, sélectionner ceux-là. On va récolter ceux qui sont prêts à être récoltés. C'est parti. Ouais, t'as vraiment besoin d'un lit. Ah bah tiens, là c'est fini. Et on va poser maintenant dans housing. On va dans les lits. On en a qu'un de près. Bah tiens, on va le mettre là. Voilà. Comme ça, on aura déjà un lit. Et j'aimerais bien finir qu'il finisse la production de lits. Ok, ça va être les prochaines choses. Et là, j'ai pas assez de place pour tous mes lits. Donc on va agrandir la place. Ok. Désolé les gars. Alors, quand ils sont fatigués, ils fonctionnent. Enfin, ils fonctionnent. Ils sont moins performants. Et le problème, c'est qu'ils peuvent se reposer sur le sol, mais leur énergie, la fatigue, ne revient qu'à 60%. S'ils ont un lit, elle revient à 100%. Donc, ils sont plus en forme et ils pourront travailler plus longtemps. Alors, on accélère à nouveau. Et bien entendu, plus ils sont fatigués, plus ils se déplacent lentement et moins ils travaillent. Lui est bientôt mort de fatigue, mais il continue à travailler bien. Loulou, housing, est-ce qu'ils ont fini des lits? Ouais, ils ont fini des lits. Hop, hop. Voilà, comme ça, il y en a qui vont pouvoir dormir là. Alors, éventuellement, je ferai des murs. On n'a juste pas assez de ressources pour le moment pour le faire. Bah, du coup, là, pas grave. Et du coup, ici, qu'est-ce qu'il en est? Il n'y a plus rien dans la queue, donc ils vont nous faire un petit peu plus de métal. Donc là, on est bon, et je vais commencer à faire quelque chose pour prévoir la production d'énergie. Donc on va maintenant passer à l'atelier, vous voyez, qui utilise 10 de fer, qui va travailler sur le métal. L'atelier qui va travailler sur le métal va pouvoir faire deux nouveaux ateliers, dont un qui va travailler sur le béton, par exemple. Donc, vous voyez, vous avez différents niveaux. Hein. Et regardez ça. Regardez-les, comment ils dorment. Alors, oui, je vous ai pas montré. On a un petit bouton, le bouton F, qui nous permet de passer en première personne. Et vous pouvez donc voir un petit peu, regardez-les, ils sont juste de travers sur le lit. Il y en a qui dorment vraiment de façon comique. Ils étaient vraiment fatigués, là. Vous voyez, d'ailleurs, lui, il a la tête un petit peu, hein, ok. Et donc, les voilà qui dorment. La petite vue en première personne me fait marrer. Vous pouvez pas faire grand-chose par rapport à ça, mais vous pouvez visiter votre village, hein, et vous pouvez regarder un petit peu, et vous pouvez revenir facilement. Alors là, par contre, il refait nuit, et là, j'aimerais voir 100%, donc on va pouvoir les récolter. Hop, récolte. Alors, est-ce qu'ils ont fini? Ouais, ils ont fini l'atelier qui va permettre de travailler sur le fer. Ah, non, elle est finie, mais elle n'a pas encore été stockée dans la boîte. Il va falloir attendre. Ah, et là, on a le chicken coop. Ok, alors on va pouvoir le poser. On va le mettre là, ici. Et on va l'entourer de barrières pour pas que les poulets puissent s'enfuir. Donc, pour cela, il faut que je revienne. Alors que je me rappelle. Non, c'est pas dans les lits. Ah, voilà, fencing. Ok. On a un petit peu. On va pas la faire trop grande. C'est juste pour des poulets après tout. C'est un peu plus grand que prévu au final. Pas grave. Non. Je veux pas mettre une deuxième rangée. Je veux la finir. Alors, hop. Voilà. Ok, donc ça c'est bon. Et on a besoin de portes. Donc on va mettre... non, je suis sur fence. Porte. Ah, on a une seule porte. Ok, bon bah. Hop. Il va falloir faire une deuxième porte. On va la faire nous-mêmes. Donc ça, c'était celle qu'il nous avait donnée. Bah. Ah, ok. Là, j'ai la porte gauche, donc je vais la... On va faire une de chaque, parce que j'ai...
le dessin m'aide pas vraiment à savoir. Normalement, je devrais faire une porte qui va vers la droite, mais apparemment, c'est celle vers la droite que j'ai faite déjà. Donc, ok, on en fait une de chaque. Donc, on les laisse finir ici. Alors, est-ce qu'ils ont fait mon lit ? Et vous voyez, il y a plein de choses à faire. Housing, bed, ouais, ils ont fait mon lit. Alors, par contre, on va devoir le mettre là sur l'herbe, mais c'est pas grave. On corrigera éventuellement. Ici, il y a peut-être des nouvelles choses. Alors, hop, à récolter. Non, si. Encore des petits bugs de sélection. Voilà. Et donc là, on est à 1902 valeurs nutritionnelles. Donc on est à, on a 3 jours hein, de rab. Donc on est tranquille pendant quelques temps. Et là, on va devoir trouver des poulets dans pas longtemps. Alors, est-ce que j'ai du cuivre ? J'en ai 9 blocs, c'est pas suffisant. On va devoir en choper un peu plus. Il y en a là. Donc on va donner l'ordre de miner. Hop, go. Ils n'ont pas fini encore mes portes. On va regarder le personnage. Là, le niveau de fatigue est bon. Le niveau d'hydratation est bon. Le niveau de faim est bon. Ok. Ah, les carottes sont prêtes à être récoltées. Je pourrais replanter hein, là, mais bon, je vais attendre un petit peu. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, oui, là, ils ont pété. Ok, ils ont pété ça ici. Et d'ailleurs, je me dis, je vais peut-être leur faire faire un outil en plus. Ah bah tiens, ils ont dû déjà avoir fini de faire le... Ouais, le metal working. Ok, on va déjà le poser. Ah non, je vais pas que tu m'en refasses un, je vais choper celui qui a déjà été fait. Voilà. Faut pas se tromper. Ok. Go. Et donc j'avais dit je voulais faire un nouvel outil. Les outils ça se fait pas dans la machine qui travaille sur le métal, ça se fait dans la salle standard, dans l'atelier standard. Alors quelque chose pour, bah tiens, ça coûte combien? 4 de métal pour pouvoir tondre les moutons. Je veux une pioche en plus, donc pour avoir un troisième gars qui travaille dessus. Et je veux un marteau en plus parce que les marteaux sont utiles également pour ceux qui craftent. D'ailleurs le marteau a coûté du bois et du fer. Ok, pour ramasser les fruits j'en ai pas besoin. Ça, je sais pas à quoi ça sert, un seau. À ramasser de l'eau ou... On va voir. Là, ils finissent. Ouais, les marteaux sont utiles pour tellement de choses. J'en veux plus. Et donc voilà, ben, je pense qu'on va s'arrêter là pour l'épisode actuel. Dans l'épisode suivant, on va faire de la production d'énergie. Donc on va faire une éolienne, on va faire des batteries et on va les relier avec des câbles électriques une fois qu'on aura suffisamment de cuivre. Donc merci à vous d'avoir regardé et je vous dis à bientôt dans le prochain épisode. Bye bye.